Voyons en quelques instants comment consulter et utiliser votre adresse mail scolaire. Pour cela, vous pouvez démarrer du site web de l'école, de la page principale. Sur cette page, vous trouverez toujours un lien pour accéder à votre mail. Si je clique sur le lien, j'arrive à cette page de connexion. Une autre façon de procéder est de passer par l'adresse mail.isnd.be dans la barre d'adresse de votre navigateur et vous êtes renvoyé automatiquement vers la même page. Sur cette page, vous écrivez alors votre adresse mail complète, qui est donc formée de la première lettre de votre prénom, suivie d'un maximum de 7 lettres de votre nom, suivie de votre matricule en 4 chiffres. Puis, vous indiquez le domaine sur lequel vous êtes actif. Donc, je rappelle que pour obtenir l'arobase, vous pouvez frapper la combinaison de touches Alt-Gr et 2 sur tous les claviers. Puis donc le domaine, alors pour la plupart des élèves, isnd-edu.be, mais pour les élèves du premier degré ou de première année, isnd-d1.be. Ici, je vais prendre un exemple d'un élève de 3e ou de 6e, de 3e à la 6e. Donc, une fois que l'adresse mail complète est indiquée, je peux alors cliquer sur le bouton « Accéder à la page de connexion ». Si votre adresse mail n'est pas correcte, vous aurez un message d'erreur. Vous ne pourrez pas accéder à cette nouvelle page. Alors ici, on vous invite à indiquer votre mot de passe. Votre mot de passe est le même mot de passe que pour les autres applications informatiques à l'ISND, mais comme 8 caractères minimum sont nécessaires pour les adresses mail, si vous avez un mot de passe plus court en 6 caractères, vous devrez ajouter 2 zéros derrière. Puis vous cliquez sur le bouton « Connexion ». Vous arrivez alors à l'interface de votre webmail. Interface sur laquelle vous pouvez commencer à rédiger un mail. Vous indiquez donc l'adresse mail de votre correspondant. Un sujet à votre mail. Et vous rédigez le mail de manière tout à fait classique. Avec bien sûr les habituelles formules de politesse nécessaires. Pour envoyer le mail, vous cliquez sur « Envoyer ». En principe, l'opération doit être assez rapide. Voilà qui est fait. Les mails envoyés se retrouvent toujours dans les « Envoyés ». Si votre webmail n'est pas en français, vous pouvez configurer ici. Vous trouverez alors sans doute la mention Settings, Paramètres, Configuration en français. Vous cliquez sur Paramètres et vous entrez dans l'outil de configuration. Vous pouvez ici choisir une interface utilisateur dans un nombre impressionnant de langues. Donc ici, pour la démonstration, je conserverai le français. D'autres options sont possibles, y compris la gestion de votre identité. Alors, j'ai ici simplement jsparrow1234@isnd-edu.be, mais cette mention n'est pas très claire, donc il est par exemple préférable de voir apparaître chez votre correspondant votre nom exact plutôt que simplement cet identifiant qui est parfois difficile à lire. Donc ici, votre correspondant trouvera des mails venant de Jack Sparrow et non de jsparrow1234. Vous pouvez ajouter une signature. Ou indiquer par exemple votre classe. Vous enregistrez et ces informations apparaîtront donc dorénavant spontanément dans tous les mails que vous enverrez. Vous pouvez revenir à l'option courriel et constater éventuellement l'arrivée de nouveaux mails, répondre aux mails selon les procédures tout à fait habituelles en vigueur, surtout les webmails qui existent, que ce soit Gmail, Outlook ou autre.
Vous pouvez également gérer un carnet d'adresses, par exemple au départ d'un mail reçu, dans la partie inférieure de la fenêtre à côté du nom de l'expéditeur. Vous pouvez cliquer donc sur la petite icône présentant un personnage et un signe plus, et vous ajoutez ainsi la personne à votre carnet d'adresses. Ce carnet d'adresses peut être modifié ou peut être nourri à partir du clic sur ce lien. Donc ici, il y a déjà une personne dans le carnet d'adresses. On peut ajouter d'autres personnes volontairement en cliquant sur le signe plus. Et indiquer les adresses de courrier électronique. On enregistre. L'avantage donc est que lorsque l'on rédige un nouveau mail, on écrit le début du nom et l'information sur l'adresse de courrier électronique arrive toute seule.